Oui, entrez. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Je souhaiterais rencontrer monsieur Mba. Vous avez pris un rendez-vous? Non. Vous êtes monsieur? Monsieur Kumba. Un instant. Allô, monsieur Mba? Et monsieur Kumba qui souhaiterait vous rencontrer? Tout de suite, monsieur. Je vous prie de me suivre. Je vous en prie. Merci, madame. Cela fait un bon bout de temps que nous ne sommes plus vraiment vus en tête à tête. Eh oui. Prends place. Merci. Alors, les nouvelles. Tout est vieux comme le monde, mon frère. Tu connais ma situation. Le même problème au travail. C'est pas vrai. Je dois toujours tout faire seul. Car quand je laisse cette jeune fille s'occuper de quelque chose, mais c'est une catastrophe. C'est à refaire. C'est pas vrai. Tu la connais, cette fille de M. Paul? Attends, tu veux me dire que depuis tous ces temps, tu n'as pas trouvé mieux qu'elle alors? Malheureusement. Excuse-moi, je passe un coup de fil, hein. Mademoiselle, dans mon bureau, s'il vous plaît. Mademoiselle. Oui, monsieur. Rédigez-moi une lettre pour le directeur général de la société OPV. Oui. Pour le remercier du chantier qu'il a bien voulu nous attribuer. Ce sera tout, monsieur. Ce sera tout. Je vous prie de m'excuser. Merci. OK. Alors. Cette jeune fille a l'air de bien connaître son travail. Elle n'est que stagiaire et tu laisses rédiger ton courrier toute seule? Je lui fais confiance, Martin. Elle sait ce qu'elle a à faire. Oui, entrez. Excusez-moi, monsieur, j'ai fini avec votre courrier. Ok, posez-le là. Merci. Pas mal, super. Tiens, lis-le. Et tu constateras par toi-même que nous avons affaire à une professionnelle. Pas de faute. C'est impressionnant le travail de ton assistante. Et son style est professionnel. Dis-moi, tu comptes la garder? Sinon, je peux l'embaucher. Hein? Mais quelle question! Mais tu crois que je vais laisser partir une assistante qui accueille avec le sourire les visiteurs, applique sans délai mes directives, reçoit et dispatche le courrier destiné à la société, conçoit et rédige mon courrier, procède à l'archivage, me rappelle mes rendez-vous importants et mes réunions, organise mes réunions, prépare mes déplacements à l'intérieur ou à l'extérieur du pays. Mais mon cher ami, son contrat est déjà rédigé, il ne reste plus qu'à être signé. Dans ce cas, au plus j'en trouver une, sinon deux. Mon pauvre ami, mais attends, mais tu ne sais même plus combien d'assistants tu veux. Ben écoute, va à l'école des métiers du secrétariat, assise en face de la SCG La Pairie, à l'intérieur du complexe Quinconation. Les cours y sont dispensés chaque soir, de 18h à 20h30. On y trouve aussi des filières comme secrétariat comptable, secrétariat juridique, secrétariat médical, transit et douane, infographie et montage vidéo, maintenance en informatique, documentation et archivage. Tiens, j'allais oublier, formation rapide en informatique. Merci des conseils, mon frère. Dans ce cas, j'y vais tout de suite. Merci.